Они готовы, дядя. Ты волнуешься? Я знаю, у тебя не было возможности говорить о своих достижениях. Великий Радомир Волков. Гордость Советского Союза. Я знаю. Я знаю, ты не хочешь этого делать. Но нам заплатили неплохие деньги. Ты помни об этом, пожалуйста. Radomir, we spoke a lot today about your work with the Soviet moon program in the 60s. You were an integral member. I guess what I don't understand is why stop there? You were a man at the height of his career. Young, ambitious, passionate. Even today, I can still see that passion in you. And yet, when the moon program closed in 74, afterwards, there's no record of any of your work within the space program. Why is that? My uncle says that it was a great honor to be part of such a historic program, but that he wanted to focus on his personal life. Of course. Is that it? My uncle isn't well. I'd like to take him home as soon as possible. Just one more thing. Operation Outreach. I know about the station. I know. They recruited you. I know you were the flight director with ground control during the incident. Dadu? Yvonne Zolnorowicz. Nika Shishkin. Stop it, please. Hanuel Rio. Stop it. It's all there, Radomir. You are the missing piece to the puzzle. Since ever you saw me. Look, I know the station had a military purpose. I know the truth about everything. Меня нужно услышать это от вас. The truth is buried so deep, you'll never find it. Just like all of them. Salut tout le monde, c'est Zikos. Vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Je vais vous montrer du gameplay d'Outreach que j'ai fait à Gamescom il y a 2-3 semaines. Donc j'avais été invité chez... vous avez pu voir, là ça s'appelait Gumbitious à l'époque. Dorénavant ça s'appelle Good Shepherd. Et en fait, Outreach est un walking simulator. Le fait qu'on, bon, la différence c'est qu'on ne marche pas. Et durant la vidéo que j'ai mise juste avant, ce qu'on peut voir en gros, c'est tout l'englobage du jeu. C'est durant la guerre froide. C'est une guerre froide que nous, on n'a pas nécessairement connue. Même l'histoire n'a pas connu parce que ce sont plutôt les Russes qui ont dominé l'espace. Même si en réalité les Russes ont dominé la plupart du temps l'espace jusqu'à temps que les Américains envoient quelqu'un sur la Lune. Et en fait ça se passe durant cette guerre froide. Il se passe des trucs un peu chelous au bord d'une station spatiale qui ressemble plus ou moins à Mir. Et vous êtes envoyé sur cette station spatiale pour découvrir un petit peu ce qui s'y passe. Si l'histoire du jeu suit plus ou moins la cinématique réelle que l'on a pu voir juste avant, il semblerait que le personnage, le vieil homme, soit nous-mêmes, le Vladimir, qui avons été envoyés.
sur la station spatiale. Et là, on arrive, il fait noir. Alors, il s'agit d'une phase de gameplay qui n'a pas été enregistrée par moi, mais par quelqu'un très certainement de Good Shepherd. Et c'est exactement la même démo que j'ai pu faire. Donc, on arrive, on sort du Soyouz, donc une fusée qui est envoyée directement sur la station spatiale. Nous sommes dans une combinaison intégrale, étant donné que nous sommes dans l'espace et qu'on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur de la station. On garde la combinaison au cas où il n'y a plus d'oxygène. Et il fait noir, on a la possibilité d'activer ce rayon lumineux, tout simplement une lampe torche, et on va chercher un petit peu ce qui s'y passe. The module is also pitch black. She didn't meet you. Understood. Stand by. Et là, vous avez... Can you confirm that the module computer terminals are still active? Vous avez une communication constante avec la Terre, la station de contrôle. Et là, on nous dit, bon, c'est très certainement un souci du niveau de l'électricité, au niveau du terminal. Vous avez la possibilité, vous avez peut-être pu le voir très rapidement, de réouvrir, d'ouvrir un carnet qui va vous lister toutes les missions à faire. Là, il y a un terminal. On nous demande tout simplement, est-ce qu'on veut redémarrer le système électrique, on dit oui. On attend un petit peu, voilà, ça va se passer. Et Outreach, qui est aussi le nom de l'opération Outreach pour aller rejoindre la station spatiale, sera un jeu uniquement basé sur l'histoire. Il n'y aura quasiment pas de gameplay, de skill à avoir. C'est un jeu comme vous pouvez connaître, comme The Walking Dead, Gone Home, Everybody's Gone to the Rapture, ce genre de choses. Pour vous déplacer au sein de la station spatiale, votre combinaison possède des rétrofusées. Vous avez pu voir là par exemple que le personnage a pu se stopper d'un coup. C'est des rétrofusées, pardon, le bim dans le micro, qui fait un gros stop vers l'avant. Vous pouvez tourner votre personnage, vous pouvez changer l'assiette du personnage avec les gâchettes. Et vous, avec un coup de R2, je joue avec une manette de PlayStation 4. Un coup de R2, vous, en gros, avec vos bras, vous avancez et vous vous tirez à un bon coup. Étant donné que vous êtes en zéro gravité, eh bien, vous pouvez du coup vous élancer comme ça dans le module. Là, bien entendu, le premier truc que vous faites, c'est de rechercher des survivants. Et aussi, bien entendu, des coups de rétrofusée vers l'avant. Vous pouvez aussi trouver donc des cassettes audio. Well, the damn missile system is still stuck. Et comme vous avez le système pour lire. Not care why or how, he's decided it's my fault and relieved me of my responsibilities. I'm chief of Rivet Inspection now. Je pense que ce sera quelque chose qui va énormément ressembler à Gone Home au niveau de l'histoire, en récupérant soit des cassettes audio, soit des choses à lire pour comprendre un petit peu ce qu'il se passe dans cette station. La démo que j'ai pu faire durait environ une disquette. Je pense que pas beaucoup de gens malheureusement connaissent ça maintenant. Tous les jeunes ne savent pas ce que c'est. Qu'on pouvait mettre uniquement un méga 40 à peu près sur ce genre de... Ou un 14, je sais même plus, ça fait tellement longtemps. Sur ce genre de gros machin. Mais j'ai bien dit méga et non pas giga. On avait encore ça dans les années 2000, au début. Donc là, il y a des terminaux dans lesquels on va pouvoir trouver des informations supplémentaires. Bien entendu, c'est un jeu qui se veut lent. Lent de par son gameplay, tout simplement parce que c'est un jeu qui est énormément basé sur l'histoire. The tension amongst the crew is clear. That's correct. Ce qui est marrant, c'est les trucs qui volent, enfin qui volent, sans parler, like qui vivent leur vie, parce qu'on est en 0G. Moving on shortly. En impesanteur aussi. Hop, passons à l'autre vidéo. Tac. Hello? Ah non, je me suis planté. Control. This is station flight. Hop là. Hop, l'autre vidéo. Alors, de temps en temps, vous allez tomber sur des écoutilles
pour passer aux autres endroits. Bien entendu, du coup, on a été vérifié la zone de vie. Il n'y avait personne. Contrôle nous demande d'aller vérifier les autres modules. Et là... Correct. The handle sheared off. Off? Yep, right in my hand. Get back to you. Stand by. Et là, vous entendez que les interférences radio commencent à arriver et vous sentez que ça va être la merde. Donc là, nous sommes dans le module de la de science, du labo de science. Où il y a des choses écrites sur le tableau Velleda. Là, il y a des plantes qui poussent. Et la contrôle demande de vérifier l'expérimentation de des plantes qui poussent. Du coup, on nous demande simplement de prendre une photo. Vous avez, hop, en un bouton, vous prenez une photo. Vous n'avez pas besoin de viser. Ça se fait tout seul. Et à ce moment de la démo, après avoir vérifié 2-3 modules qui sont tous vides mais qui commencent à montrer un petit peu un avant-goût de l'histoire, on vous demande tout simplement d'aller à un autre endroit. Et cet autre endroit, vous avez pu le voir tout à l'heure, c'est la poignée qui est cassée. En fait, c'était le dernier endroit où vous pouviez visiter. Et du coup, contrôle vous dit, le seul moyen d'accéder, c'est de passer par l'extérieur. Donc, de faire une sortie extravéhiculaire. She told me she is with child. I had to try very hard all week to concentrate and record all the measurements for the experiments correctly. The whole time I was thinking, will it be a son? What will we name him? Will he be a scientist? Or maybe he will be very good at tennis? Or maybe very bad, but we will still have fun playing together. I wish I could be there to help Jen and see her grow with the child. I will tell ground control to tell my mother to take good care of Jen. Bien entendu, toujours des choses à écouter. Il va y avoir énormément de choses à écouter, à lire. Je n'ai pas nécessairement encore l'information si le jeu sera traduit en français, que ce soit au niveau du texte ou même au niveau de la voix. Déjà au niveau du texte, ce serait très bien. Vous pouvez voir que énormément de choses à lire. Pas nécessairement tout le temps intéressantes comme ça du premier coup, mais qui peuvent s'avérer cruciales à la compréhension de l'histoire. Parce qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe. On est vraiment dans un thriller. Et donc là, on va retourner au niveau du Soyouz, parce qu'il y a un module de sortie extravéhiculaire. Et vous pouvez voir là, on tourne dans tous les sens. Attendez, je vais peut-être mettre une pause là. Oups, loupé. Ici, on nous dit d'arriver dans le module OPS4, de redémarrer l'électricité, de rechercher l'équipage dans le Living Quarters, donc le LQ, donc les quartiers de vie. Rechercher quelque chose, enfin surtout à chaque fois l'équipage, dans le module Labo de Sciences, dans le module du cargo de vie, dans le terminal, prendre une photo. Accéder au LQ, donc Living Quarters, pour le terminal. Faire une sortie extravéhiculaire via le SAS du Soyouz. Et chercher du coup, chercher l'équipage dans le CLM, le Cargo Living Module. Voilà. Et comme on peut pas, parce que le CLM a été bloqué tout à l'heure à cause de la hatch, de la poignée, au niveau de la trappe. Du coup, on peut pas l'ouvrir vu que la poignée est cassée. Et donc, on va devoir sortir. Et c'est l'une des grosses choses intéressantes de ce jeu-là. Vous voyez, du coup, c'est plutôt lent. Il y a des trappes à droite, à gauche. Aussi en haut, en bas, étant donné que au niveau du repère 3D, c'est votre personnage qui devient référentiel et non plus, par exemple, le centre de la Terre qui devient le bas.
le sol qui devient le bas. Là, il n'y a pas de bas, de haut, de droite à gauche. Alors, je vous préviens, des fois, ça peut être assez perturbant parce que les personnes qui sont peut-être sujettes à la cinétose ou au motion sickness, aussi en anglais, ça peut faire mal. Ça peut faire très très mal. Donc là, bien entendu, pas besoin de faire la pressurisation, dépressurisation, parce qu'on était déjà en pressurisé. Et là, on est complètement libre de faire ce que l'on veut. Sauf que, bien entendu, eh bien, c'est la potentielle mort qui peut arriver, parce qu'on n'est pas attaché, on ne peut que attraper ces grosses poignées jaunes. Là, vous voyez en haut, il y a des infos, on peut tourner. Enfin, on peut appuyer sur le stick droit, aussi appuyer parfois le R3 ou le stick droit sur une manette Xbox pour savoir où est-ce qu'on doit aller. Avec, je crois que c'est L1, R1 ou LBRB, on peut tourner sur soi-même. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, les petites poussées vers l'avant, bah là vous ne faites que ça. En gros, vous poussez avec les pieds, soit vous tirez avec les bras. Et quand vous avez des accroches comme ça, cette main courante qui est toute proche, vous pouvez appuyer sur A pour vous y accrocher. Et à partir de là, vous êtes safe. Sauf que c'est une sorte de petit labyrinthe, un petit jeu de plateforme, je dirais, où il faut bien s'accrocher parce que la moindre erreur est fatale. Et vous pouvez mourir très facilement. En gros, si vous accrochez pas, bah, vous allez dériver dans l'espace et vous êtes considéré mort, ce qui est logique. Et bien entendu, du coup, il faut trouver où s'accrocher. C'est un petit jeu, c'est vraiment marrant. Soit vous y allez d'un coup, vous auriez pu faire aussi une étape intermédiaire entre les deux. Hop, passons à la vidéo d'après. Donc la dernière vidéo que je vais vous montrer avant un trailer final, ça vous permet d'avoir un petit peu l'ambiance globale du jeu. Il y a une petite musique qui est parfaite. Et voilà ce qu'est Outreach. Ça devrait sortir avant la fin de cette année. C'est développé du coup par un studio britannique, anglais je crois plus précisément, qui s'appelle Pixel Spill. Et c'est édité du coup non plus chez Gambitious mais chez Good Shepherd, mais même si c'est le même éditeur. Voilà voilà, moi je pense que je vais vous laisser là-dessus, je vais vous laisser profiter de tout ça et de la cinématique qui arrivera après. Voilà, c'était une présentation d'Outreach, et ça devrait sortir d'ici la fin de l'année sur Steam et tout ça. Salut, à la prochaine. I have visual confirmation of progress ground control. Almost there. Can you confirm status? Docked and preparing to rendezvous with crew in OPS4. What the?
Ground control. Something's not right. The crew is not here. Not there. Missing. Did they have other orders? Please execute module by module search. Confirmed. Where the hell are they? Ground control. It's a mess in here. Half the terminals are locked. I'm concerned. Investigate. See what you can find out. Commander Zolnierevich. Engineer Shishkina. CLM clear. No sign of crew. What were they working on before I got here? This is classified. Understood. I'll find the answer myself. If the answer's not inside, then... Preparing to EVA. Confirm. Alexei, come in. Report, Alexei.